Depuis le 11 mai, nous sommes entrés dans la période de déconfinement. Mais nous n'allons pas pour autant cesser de lire. D'autant que notre bibliothèque, la bibliothèque multimédia aux anges Talisgan, ne reçoit pas encore le public. Alors, toujours avec l'aimable autorisation des éditions Jazor, nous vous proposons cette semaine une lecture qui, grande nouveauté, sera en français et en créole. Trois amis qui aimaient rire ou trois amis qui t'aimaient rire. Les trois amis qui aimaient rire, un ouvrage de Myrna Bolus, illustré par Aurore Lopez. Diana, Magali, Anaïs. Voilà Anaïs avec ses yeux pleins de malice. Diana et son petit air narquois. Et Magali à la mine réjouie. Mais que font nos trois amis? Eh bien, elles se moquent de tout, de tout. De tout le monde, et elle rit. Lundi, à l'heure de la récréation, un chapardeur a fouillé dans le sac de Yanis et a mangé son sandwich à la saucisse. Cela a rendu le garçon bien triste. Qu'ont fait les trois amies? Eh bien, elles ont ri. Mardi, alors qu'Aurélie était tranquillement en train de lire, Corentin le taquet l'a pincé. La petite fille s'est mise à pleurnicher. Et qu'ont fait les trois amies? Eh bien, elles ont ri. Mercredi, Jonathan a perdu une dent en croquant une grosse goyave qu'il venait tout juste de cueillir. Il hurla de douleur. Ouille, 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 maman, j'ai mal. Et qu'ont fait nos trois amies? Eh bien, elles ont ri. Jeudi, Marilou qui se cache partout est tombée dans un trou. Elle a pleuré. Bouh, bouh, bouh. Qu'ont fait les trois amis? Eh bien, elles ont ri. Vendredi, Marion, qui admirait un beau papillon, s'est trouvée nez à nez avec un bourdon. Elle a crié « Au secours !» Et qu'ont fait les trois amies? Eh bien, elles ont ri. Samedi, Mathieu le casse-cou a glissé dans la boue en faisant la roue. Le garçon a piqué une grosse colère. Et qu'ont fait les trois amies, hein? Eh bien, elles ont ri. Dimanche, à la kermesse de l'école, agacée par les ricanements des trois amis, Jennifer a dit à Magali qu'elle avait l'air d'un ver de terre. Magali a tout de suite cessé de rire. Hein. Et puis Yuri a dit à Anaïs qu'elle était encore plus rikiki qu'une souris. Anaïs a tout de suite cessé de rire. Quant à Elsa, elle a dit à Diana qu'elle ressemblait au vilain crabe Zagaya. Diana a tout de suite cessé de rire. Alors, les trois amis ont fondu en larmes et confié leurs camarades en constatant que Magali, Anaïs et Diana pleuraient. Eh bien, ils ont ri. Comme dit Mamie Lily, rira bien qui rira le dernier.